Anglais PIA, Dr. Panouan is back pour la plus belle. Pour venir mettre précision sur tout le monde, quel que soit niveau anglais. Are you sure, Mazoura? Yes, sir. Tout le monde branché titulaire de English Time sur Storm TV, chaîne 2 chaque mardi et jeudi, 3h, 4h après-midi. Même Jean Blanc qu'on fait l'autre bord et sur Internet là. Très pratique pour tout le monde qui besoin qu'on parle anglais très bien avec 7 aspects: usuel, technique, commercial, biblique et théologie. Et puis, pas oublier, anglais américain et britannique, oui, en pontisson. Teach, speak to the world. No sweat on our bag in the world for English, for sure in the world for the world for will insuring for good. Mes amis, pas qui fake là, non? André le teach, non. 34 99 70 70 34 99 70 70. Si tu as c'est seul professeur anglais. L'État ici était médaillé en or et en argent à toute l'école OEA pendant l'Archive nationale d'Haïti. T'as fait en 2012 et c'est l'ico original là. You know what I'm saying, baby? OEA, Holistic English Academy, la référence de l'anglais parlé en Haïti. Niveau d'anglais national et international, doté de la méthode d'anglais américain et britannique la plus pratique pour commencer à parler anglais dès le tout premier jour de classe. Vous voulez devenir maître de cérémonie, animateur et présentateur de radio-télé, publiciste et publicitaire, phonéticien et phonologue, professeur d'anglais à tous les niveaux, interprète et traducteur, sélectionné OEA. La sélection la plus intelligente du moment et pour toujours, dirigée par Teach Olesti, docteur en phonétique anglaise qui se passe de présentation en Haïti. Dans OEA, Teach Olesti pas prend blanc pour parler anglais pour lui. C'est lui blanc tête. Parce que le connaît un directeur à l'école anglaise qui est capable de parler et enseigner anglais correctement. Teacher Lesti trompe même blanc américain dans la langue anglaise qui est propre langue. On fait un temps d'elle pour nous si c'est menti. Teach, prove it. I'm sorry, ma'am. Prove the Haitian population what I'm saying, please. No problem. Oh yeah, all these English Academy is a spoken English reference in Haiti. Number 4 Avenue, Martin Luther King, Delma 28 B, Delma. At a few steps from the viaduct of the Upper Crossroads, and I'm on the wrong side of my teaching English 20 year experience for well. And guarantee speak English your money back. Lydie, pas de problème. OEA, c'est référence anglais parlé en Haïti qui chita quoi dans numéro 4 Avenue Martin Luther King, Delma 28 B. Tout près où t'en l'a dans le cafou aéroport. Elle dit qu'il y a plus que 20 ans depuis qu'elle a enseigné anglais et garanti qu'elle a dans OEA. Depuis qu'elle n'a pas parlé anglais, elle promet tout toute cop où t'es bail là, tout cop déplacement. Yo. Contact 34 99 70 70 34 99 70 70. Tout pays d'Haïti t'a demandé quoi Teacher Lesti passé. Eh bien, Teacher Lesti, professeur anglais PIA, docteur Panouan is back pour la plus belle. Pour venir mettre précision sur tout le monde. Holistic English Time. Hello world. Good afternoon. Hi, hello. What's up, top? This is Teach Olesti from Teach Olesti English Time, your favorite English professor from your favorite English broadcast, respectively. Well, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Salut à tout le monde qui, normalement, nous regarde et qui nous entend actuellement. Donc, Teach Olesti English Time, votre émission préférée et avec votre professeur d'anglais préféré, Teach Olesti. Donc, émission préférée pour là. Bonsoir à tout le monde. Et pour moi qui parle créole seulement, yo, nous dit bonsoir à tout le monde qui branche l'émission. Teacher Lesti, qui est le Teacher Lesti English Time. Et avec professeur Paola, professeur Orem Apila, Teach Lesti English Time, qui ne peut pas serrer aucun petit crasse pour dans l'anglais. Ok. Maintenant pour aujourd'hui, comme d'habitude et comme toujours, n'a pas comme penser moral pour aujourd'hui. Pour penser moral pour aujourd'hui, qui ça n'a pas nous jouons une pensée morale aujourd'hui. Nous rappeler nous pour moi qui fait brancher yo, l'a dit pensée morale en anglais c'est MT. Ou après li afficher MT MT pour moi qui fait brancher yo c'est moral thought. M là c'est moral et T là c'est thought. Moral M O R A L et puis thought T c'est thought T H O U G H T. Et juste avant de nous commencer avec la pensée morale comme d'habitude et comme toujours, que nous toujours puiser dans la Bible, c'est toujours un verset biblique, parce que raison simple, c'est parce que tout simplement,
la Bible par contre bail mauvais conseil. C'est ça, tout simplement. Donc pour chaque numéro, pour chaque épisode, hein, for every single episode, pour chaque épisode, chaque épisode, nous gagnons en pensée morale, nous gagnons pensée morale, nous puiser dans la Bible et puis nous partager ensemble. Donc vous avez cette pensée en anglais. Ensuite, disons, alors quand je dis pensée morale, ça veut dire, je viens de l'expliquer, c'est empty. En anglais, on dit empty. Donc empty, c'est l'abréviation, c'est une abréviation, c'est l'abréviation de moral thought. Empty, c'est la lettre M de l'alphabet, on dit M, l'accent c'est M, et puis la prononciation c'est T pour T. Donc on dit empty, quand on voit MT, M majuscule, T majuscule, c'est l'abréviation de moral thought. Moral thought, M-O-R-A-L, et puis thought, T-H-O-I-G-H-T, c'est le prétérit, à la fois le prétérit et le passé passé du verbe to think, qui signifie penser, réfléchir. Donc quand on dit moral thought, ça signifie penser moral, penser avec un E majuscule. Ça prend également un muet. OK. La pensée morale. Donc, today's MT, avant de nous penser moral pour jeudi, comme d'habitude, et comme toujours, on a salué quelqu'un de très, 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 très spécial en particulier. C'est qui ça, il parle d'autre monde que Staphoria. Cap normalement aider nous alors staff l'aime dit staff OEA, l'administration bien entendu l'accueil hein, la réception de la OEA Holistic English Academy qui signifie académie d'anglais oral parce que Holistic c'est un terme c'est une expression polonaise c'est un terme polonais qui signifie oral donc Teach Holistic English Time c'est le nom de l'émission et puis votre professeur d'anglais Teach Holistic donc Holistic c'est mon nom de famille parce que du côté paternel, mon arrière-grand-père était polonais du côté paternel. Donc, avant de commencer, on a salué très spécialement, j'en ai dit à l'heure, réception OEA. Nous avons sur Saint-Hilaire qui, Shelby, on ne peut plus. Hein, semaine ça, depuis hier. Hein, bon, Shelby déjà, mais puis Shelby. Hier, elle commence à Shelby ça. Et première fois, beaucoup de ça dans le catalogue. Je salue Sœur Saint-Hilaire qui toujours recevoir mon nom dans OEA. Tout le monde tout fait pour lui. Dit très sage, très gentil, très sage. Donc, félicitations à toi, Sœur Saint-Hilaire. Nous-mêmes, nous connaissons chrétien. Oui. C'est pas le. Nous ne pas féliciter les mourir. Nous ne pas parler de leur parler à leur mourir. C'est pendant là, c'est comme ça que chrétien agit. Donc, nous félicitons encore Sœur Saint-Hilaire pour sa sagesse. Puis. Ensuite, on a salué également Sœur Mérilus, qui branchait l'émission également, qui est ensemble avec Sœur Saint-Hilaire, qui secondait, qui est assistante Sœur Saint-Hilaire. Et puis, deux mouns s'est remis ensemble, deux belles créatures. Et puis, après, je vois mouns dans OEA, by information, by bel accueil, des accueils très, très chaleureux en majuscule. Donc, félicitations à vous, mesdames. Et puis, nous saluons également, en particulier, tout le monde dans Radio Télestorm qui est branché, hein? Radio Télestorm 106.5, chaîne 2, respectivement. Donc, nous saluons également tout le monde qui est branché, nous. Sans distinction, sans exception, ok? Donc, en anglais, nous dit « bearing none », ok? Donc, nous saluons tout le monde qui est branché, nous, qui attendait nous sur Radio 106.5. Puis, nous alors, la station mystérieuse, hein? Bien entendu, je ne dis pas la station magique, non, je dis mystérieuse. Et puis, la chaîne 2, la chaîne mystérieuse également. Nous saluons en particulier dans Radio A, ingénieur Balbito, hein, qui a fait nous entendre des bons sons avant l'émission a commencé, toute belle musique évangélique. Vous entendez, c'est ingénieur Balbito qui a fait nous entendre. Donc, nous saluons ingénieur Balbito et qui a fait bel travail ça dans Radio Storm. Et nous saluons tout également réalisateur nous, Max, ingénieur Max, hein. Qui a fait nous belle image, qui a fait nous penser les afficher, hein, les afficher DM, qui fait nous ça. Donc nous saluons également ingénieur Max en particulier. Et comme on était de très très spécial encore, m'a salué, ça c'est mon frère, et ça plus que frère, c'est Mazora. Donc me salue Mazora, quel que soit côté Liam, qu'on est la tandem là. Si le pas tandem dans machine, c'est sûr que l'a gardé dans Kaili. Me salue Mazora, frère Pam. Hein, frère Pam, ça a plus que frère. Ok, donc nous faisons une salutation spéciale ça, mais pour ne pas faire jalousie, nous saluons tout le monde net qui a regardé la télévision là, Télestorm, chaîne 2 et qui a regardé et qui a attendu Radio 106.5 chaque mardi, chaque jeudi de 3 à 4 heures à l'heure ça, émission ça passée sous Radio Télestorm. Ok, donc son cours d'anglais à tous les niveaux.
quand je dis à tous les niveaux, ça veut dire en anglais, généralement, il y a quatre niveaux. Il y a quatre niveaux et niveau 1, 2, 3, 4. Ça veut dire, non seulement c'est, quand je dis à tous les niveaux, non seulement c'est quatre niveaux, niveau d'académie, OK, aux États-Unis. Ensuite, nous faisons sous programme doctorat qui gagne 7 points là-dedans, OK. Donc, il y a les 7 aspects, hein, l'anglais usuel, technique, commercial, OK, théologique, biblique, américain et britannique, OK. Alors, donc, c'est ça, normalement, qui 7 points, OK, dans le programme doctoral là, mais gen ti ba en plus donc nous va en faire jolé mais gen ti ba en plus. Maintenant pour nous démarrer, nous toujours penser moi j'en te dis là, parce que c'est bon Dieu qui ban nous la vie, c'est lui qui ban nous santé, c'est lui qui ban nous souffle là, souffle de vie ça, c'est lui qui souffle là dans nous dans Genèse 2 verset 7, et ceci c'est lui même qui ban nous intelligence, donc c'est lui même qui en dans nous qui gen vingon l'autre donc les onctions, mais qui pas fait qui pas fait en monde ou bien qui pas fait quatre personnes, mais qui toujours été une personne, mais à différents titres, hein, à différents titres circonstanciellement, OK. Donc il a nous dit ça, circonstanciellement, ça veut dire dans l'Ancien Testament, Dieu dans l'Ancien Testament, il était connu l'île, il était plus connu l'île l'Éternel dans l'Ancien Testament, il était plus connu l'Éternel ou bien Dieu. Maintenant le par exemple Eve s'était fin fait erreur là avec Adam de ça Livin et en l'autre Livin t'est venu l'autre titre et dans circonstance ça t'est relé Jésus, OK, qui t'est prend la mort pour te cas mettez moi même avant côté nous là pour émission ça t'as possible là jeudi pour me souter là pour m'a parler dans figue monde et puis pour me pas normalement gain aucun mauvais sens parce que c'est type poids qui ban nous. Et tout important sur gain c'est ti cher ça nous gain, c'est lui même seulement en encore lundi ti cher là ça kembeli c'est ça dans monsieur dit dans Genèse chapitre 2 verset 7 là elle t'est soufflé sur de ville en dans nous parce que son la boue seulement t'est nous pas l'autre bagage que la boue poussière, vous comprenez, c'est poussière il fait nous et puis il ba nous forme et puis il soufflé sur de ville parle personnellement en dans nous qui fait je dis à moi même cache talama parle avant ingénieur balbito en face moi là et puis qu'on y a là nous une pas à décomposer l'autre à mauvais sens. Donc c'est ça exactement dans niveau ça, dans aspect ça, dans circonstance ça, était Jésus. Et maintenant après toutes des autres zaos, trop des autres, l'Éternel parmi des autres sont Dieu de l'ordre lié. Et actuellement là, après ça, maintenant dans l'autre aspect, actuellement là, les vins relais et Saint Esprit, OK. Donc qui a un autre titre Saint Esprit, autrement dit qui c'est consolateur, OK. Donc maintenant dans cet testament j'en dis elle était il compte plus c'est l'Éternel ou bien Dieu, il était en dit il était créateur avec alors avec hiérarchie, ça il y a ce qu'on appelle la hiérarchie, hein. La hiérarchie c'est la disposition des positions, hein, c'est n'a font un jeu de mots. Et donc elle était connait les dieux, elle était hiérarchiquement parlant il était créateur. Et les désordres de la vie fait là les obéissance Adam avec Eve fait tombé dans l'obéissance, il était relé Jésus-Christ, et bien hiérarchiquement et c'était rédempteur, ça veut dire c'est qu'il était racheté nous, vous comprenez. Et puis actuellement là il relé Saint-Esprit, hein, à titre c'est titre ça, mais hiérarchiquement c'est consolateur. Donc ça très clair, mais Jean-Matthieu 12 25 dit là faut gain bon sens et faut humilier, faut casser net pour comprendre et la connaissance de Dieu, autrement dit spirituel. Donc ça veut dire nous pour aller qu'on y a là aujourd'hui à là comme pensée morale nous gain ça nous joignons dans Jean n'a pas dit John, nous joignons dans Jean français dans le livre de Jean chapitre 2 au verset 3 et 4. Donc en anglais rapidement, when the wine, John chapter 2 verse 3, verset 3 d'abord. John chapter 2, verse 3. When the wine ran out, Jesus' mother said to him, they have no wine. Verse 4, verset 4. Jesus said to her, woman,
What does that have to do with you and me? My hour has not yet come. Je reprends. Let me say it again. Let me start over. John chapter 2, verse 3. So today's empty is exactly found in the New Testament. Exactly, specifically at John chapter, at the book of John chapter 2, verses 3 and 4. Now, verse 3 first. When the wine ran out, Jesus' mother said to him, "They have no wine." Jesus said to her, "Woman, what does that have to do with you and me? My hour has not yet come." Ça veut dire quoi en français? En français, ça, normalement, notre pensée, la pensée morale pour aujourd'hui, se trouve, c'est ce que je viens de dire en anglais, dans le livre de Jean, dans le Nouveau Testament, spécifiquement, dans le livre de Jean, chapitre 2, au verset 3 et 4. Mais on lit d'abord le verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus, verset 4, Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Je reprends en français. Le vin, verset 3, Jean 2, 3, « Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? » Mon heure n'est pas encore venue. Donc, ça, c'est simple. Tu as aimé nous comprendre ça? Ça, c'est dans notre cana. Mettez-nous dans le contexte ça, d'abord. Je vous mets d'abord dans le contexte de cette pensée morale pour aujourd'hui. Nous sommes mardi, bien entendu. La première séance, la première épisode de cette semaine. Maintenant, c'était dans notre cana. Ça se trouve dans, normalement, mettez-nous dans le contexte, ça, Jean chapitre 2. Dans Noscana, côté que tu es invité, dans Noscana, dans Mariaja, tu es invité, disciple avec Jésus, dans Nossa. Et puis, tu es venu manquer du vin. Maintenant, qu'est-ce qui vient de passer? Là, nous allons arriver dans verset 3 qu'on y a là. Il a mentionné d'où? Vient manquer du vin. Manquer du vin. Et puis qu'on y a là pendant manquer du vin, Marie, il dit, il précise dans la Bible, Marie, la mère de Jésus, ça veut dire maman Jésus, vini, il dit Jésus, il vient côté Jésus, il dit Jésus, yo pagain du vin fini. Et puis Jésus répond, il dit madame, qui rapport qui gagne, qui ça gagne entre moi-même avoir en créole, c'est comme si on dit madame en créole, bon créole. Qui rapport ça gagne entre moi-même avant? Donc, ça montre qui ça? Toujours dis nous ça, avant de commencer. Nous, bien, non? Nous connaissons ça déjà. Nous connaissons Teacher This English Time, hein, l'émission, puisque c'est bon Dieu que bonne intelligence, c'est normal pour me toujours démarrer avec une pensée morale. À travers pensée morale, ça, c'est des conseils que m'baou, mais de comprendre quelques passages bibliques, tout. Que bon Dieu qui a gagné une révélation avant pour que m'baou, et puis si m'baou l'avant, m'partager avant. Et si vous connaissez déjà tout, tant mieux. OK? Donc, tendez bien. Son façon pour montrer, clairement. Jésus dit encore, ma gueule en forêt, ça me croit dans Matthieu 5 ou bien 10. Jésus dit, malheur au monde qui baille papal, maman, frère, seul, madame, ni petite, ni mari, plus valeur passée. Malheur au monde, ça. Eh bien, c'est ça que fait. M'a vu un passage ça pour tout nous rappelons par contre si nous rappelons de ça pendant ça dans passage ça m'a tout profiter de tout ça qui gagne un petit rapport avec elle nous songer le il était venu que Jésus dit même maman a demandé pour lui avec frère lui dehors frère et puis Jésus répond il dit maman ak frèm ak chèm c'est moun qui fait volonté papa tout ça c'est parabole ça veut dire quoi. La Bible dit maman Jésus elle est Marie mais Jésus pas gon côté dans Bible là pas gon monde qui a bon passage ça m'entend mon monde ba moi et pas gon côté dans Bible là Jésus dit maman ça n'existe pas et pas gon côté dans Bible là tout il dit papa il est maman il est Marie papa il est Joseph ça n'existe pas
OK? Donc c'est la Bible qui dit paraboliquement parce que bon Dieu t'a utilisé matrice yon fi hein li jeune kosa quand t'a dit prêt pour ça et puis li utilisé matrice kosa et puis qu'on y a là pour te ka faire normalement qu'on est grand père. C'est ça que fait dans modèle prière dit notre père qui est aux cieux. Il faut qu'on ait grand père mais pas dit au nom de Jésus après ça veut dire c'est même lui même là hein n'était pas nous passage ça déjà Matthieu 28 verset 19 Jésus dit allez faites de toute la nation des disciples les baptisés au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit au nom au singulier ça veut dire même monde qui père là c'est le Fils c'est le Saint-Esprit attention OK mais grand pile faux prophète de Yahweh qui dit Jésus pas Dieu attention fait très attention pas quitter ma dition tomber sur nous pour occuper faux prophète yo attention mandé bon Dieu ou même ou qu'on lit mandé bon Dieu alors l'aime du qu'on lit à l'Éternel qu'on éducation oui mais qu'on l'on a pas qu'à faut comprendre la Bible c'est pas ça l'aime du qu'on lit ça veut dire ou même pourquoi puisque bon Dieu bon éducation il peut il bon possibilité ou même pour capable lire la Bible qu'on y a ou même pour comprendre la Bible c'est pas parce que qu'on lit à qu'à faut comprendre mais puisque qu'on lit qu'on y a pas demandé bon Dieu pendant qu'on parle les paroles ou même bam révélation bam contexte bam sens paroles pas quitter mon abdou à mettre dans mauvais chemin pour faire offenser l'Éternel sans pas rendre compte. Même Dieu le Père là, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Au singulier. OK? Maintenant, là, ouais, on remarque bien. C'est où? On remarque bien. Son façon, tout c'est la Bible commence dans Genèse, il vient dans Apocalypse. La Bible généralement, tièrement, la Bible généralement est parabolique. Hein, parabolique, ça signifie quoi? Ça veut dire tout ça c'est parabole qui pour montrer ou même pour vous même le gain papa ou parler le non. C'est manque de respect, mal élevé. Honore ton père et ta mère et ça la Bible dit afin que tes jours se prolongent. Parler le papa non, pas gagon ti monde pour après les molestie, m'pas chita sur même l'école d'avant. M'pas t'appuyer coup de poing, m'pas t'appuyer caillou, coup de poing t'appuyer caillou. Ou rien ou après les papa ou bien papi, m'pas connait. Mon pas rien les molestie. En ben c'est même gens tout. Wali, ou qu'on y a là faut qu'on ait parabole là biblique faut comprendre bien ça veut dire qu'on père et la Bible précise clairement pas pour vrai père là et pas sac pour cela d'ailleurs pas qu'on a qui ça au fort et pas sac pour cela OK vrai papa il est Dieu et vrai nom il est Yahweh dans la langue hébraïque en français Yahweh signifie l'Éternel et qui est l'Éternel d'après Isaïe d'après et Apocalypse et beaucoup d'autres passages c'est Jésus-Christ 1 Jean 5, 19, les versets 19 à 21. OK. Maintenant, c'est ça nous avons pour nous aujourd'hui, hein, tout simplement. Hein, donc, ça fait Jésus de leur prier dans le nom. Pour qui ça? Prier dans le nom Jésus. Il n'y a pas de nom Christ, non, dans le nom Jésus. Parce que c'est non ça qui te fait chair là, manifestation de Dieu en chair là, esprit en chair là. Hein, et puis, qu'on y a là qui te prend toute souffrance, nous, yo, hein, toute malédiction, maladition, ça qu'on dit malédiction en créole, sous quoi pour nous, etc. Et ça fait leur chrétien ou droite. Ou intègre dans bon Dieu, eh bien, qu'on y a souffrance pas pour vous, m'a dit chon pas pour vous, etc. Parce que, il était gain temps, prend tout ça pour la croix. Réponse, ça m'a dit là, référence, ça m'a dit là, dans Esaïe 53, verset 4, à l'île ou après. Ok. Maintenant, on nous voit ça pour nous, je dis en anglais. Parce qu'il faut nous battre l'Éternel, première importance, première place là. Faites l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. On le m'a venu à passage ça pour m'expliquer nos biens. Parce que tout à l'heure, m'attend aux stations de radio, m'attend aux émissions. Et puis, mon capé mette émission, capé émission, présentateur, par conscience, sens, verset à bien. Et mon auditeur crélé à tout, par conscience, sens, verset à bien. Donc, faites l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. En passant, bam, joli, même si nous pouvons faire. Dans tout soit fait net, quel que soit fait net, fait volonté, bon Dieu. Mettez-la en premier, bal valeur. Mettez-le prime abord. Et puis, qu'on y a là, quel que soit sa cœur, l'air. La baoule, sauf que si, seulement d'air ou pendant des ordres avec, c'est pas des ordres. Parce que bon Dieu, pas mon Dieu des ordres. Ça veut dire, quel que soit, j'aime faire volonté, bon Dieu. Si m'gen madame là, et puis m'dit, bon Dieu, mon fils là, et puis me dit bon Dieu moi mes fils ça m'ta aimé, bon embrasser le fond expérience en amour avec ça li papa quand me demande ça li papa quand me demande ça parce que son bon Dieu de l'autre il faut bien comprendre ça et me croit ton chrétien pas jamais faire des CD donc dans tout soit fait mettre bon Dieu en premier c'est ça que fait ma mission là ouais avant me démarrer me faire anglais avant m'enseigner anglais m'enseigner là
moi ba ou un passage biblique avant m'explique au lit révélation bon Dieu ba me la donne n'm partager la voix avant commencer à cours anglais parce que c'est lui qui ba connaissance parce que grand pile haïtien même pas américain seulement étudié aux États-Unis m'prend des séminaires m'suivre des cours des séminaires aux États-Unis mais c'est en Haïti m'fait étude classique moi en primaire secondaire université en Haïti ça veut dire c'est seulement et niveau étude avancée m'fait aux États-Unis mais en Haïti m'fait tout m'grandir ça veut dire son grâce puisque son grâce tout ça m'a fait mettre la première simple ça seulement ou manger avant manger depuis ou songer ça vient sur cœur parce que sous bagage habitude là ça qu'arrive pas songer toute fois parce que ça qu'on y vit mais de pour songer toujours prier sous manger avant manger même si vous faites manger faut prier la donne OK donc on aller jeudi dans leçon 25 OK donc nous dans leçon 25 aujourd'hui nous sommes mardi today is Tuesday and today's lesson is 25. So this is the 25th lesson. And today we're going to see the difference between the word old and age. So old versus age. So you'll see it on the screen. You'll see the pair on the screen. So on peut paraître sur écran la différence entre old et age. Hein? Pour mon l'aime dire écran pour mon cap garder mieux mais pour mon capitaine des mieux pas ca écran qu'on y a là va me dire pour différence il gain entre old OLD avec age. Et Jean veut dire âge en français il écrit A accent C complexe GE. Donc qui différence gain en plus monde pas connait comment pour utiliser yo. Mais comment utiliser yo? Ça c'est leur bail l'âge ou etc. ou utiliser mais comment? Simple. Il y a ce qu'on appelle il y a la stylistique en anglais comme en français. Stylistique signifie quoi? Ah ben la stylistique c'est la grammaire en gros. Pourtant la grammaire c'est la stylistique au détail. Je reprends. La stylistique c'est la grammaire en gros. Par contre, la stylistique la grammaire c'est la stylistique au détail. La stylistique me dit quoi? La stylistique me dit de dire ceci de ne pas dire cela. Ça c'est ce que dit la stylistique. Mais la grammaire me dit pourquoi? La grammaire me donne la raison pour laquelle je ne peux pas dire ceci, je veux dire je dois dire cela. C'est ça tout simplement. Ça veut dire stylistique là son grammaire gagne en gros qui pas détaillé mais l'an n'exige pas fait ça étant coup petit monde ou petit et puis on font des ordres et puis papi à maman dit ne fais pas ça il doit pas faire ça non par exemple ou pas pour on veut pour craser pour la lever le tête pour venir pour frapper la tête non non ne fais pas ça et puis qu'on y a pendant de ça et pour déposer sur table mais vrai chrétien c'est obéir sans comprendre donc c'est là honorer mamie à papi ou juste déposer, ou pas demander pour qui ça. Mais quand la jour arrive, on commence à grandir, ou il y a sa maturité, hein, on commence à gagner maturité, et puis il y a la maturité biologique, psychologique, je suis psychologue également, il y a la maturité spirituelle, ça c'est pour les chrétiens. Maintenant, quand l'âge qui arrive, on va faire, l'abjou, j'ai quand l'âge où tu as gagné, ou tu as pas le cas, et puis je me dis non. Et vous descendez, alors vous pouvez vous lever vers pour craser. Pourtant, vous n'avez pas de craser. Parce que vous êtes connu sous craser, c'est mamie et papi qui ont fait des défis. Donc ça, et ça, dans ce sens, ça m'a dit là. Ça veut dire que quand vous venez arriver, vous avez des petits, vous faites dans la famille l'évangile. Maman et papa, vous avez fait marcher, vous êtes membre. Et là, vous êtes marié tout, église de Dieu, de poste machin. C'est là où t'es marché l'église de Dieu, il a fait grandir dans les bénis de Jésus, maintenant brigade de lumière, etc., etc. Donc c'est là où j'ai grandi, église de Dieu. Nous songeons chaque matin, chaque soir, maman me fait un psaume, psaume 59, on bande psaume, psaume 91, psaume 27, etc. Il fait nous on tas de psaumes, mais il était bon moi parce que actuellement là, depuis avant l'Éternel t'a fait appel à vem. Depuis avant d'aller étudier théologie, je suis allé et puis comme je suis dans la théologie, je suis aidé. Mais sauf que je suis allé sans comprendre. Parce que maman m'a dit, lis psaume 59 et puis je commence. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires, délivre-moi des malfaiteurs, et se voit des hommes de sang. Mais par contre, je ne sais pas ce que je veux dire. Et puis seulement, à faire lis, je m'obéis, c'est mamie. Et pas pique parler, je lis. Mais quand je suis là, je viens de bon Dieu, je viens de maturité spirituelle, je viens de comprendre qui ça, pas ça, je veux dire. Mais et pas parce que je ne connais pas les français qui fait ça, non. C'est pas parce que je comprends le français tout que fait ça, non. C'est parce que tout simplement, demander l'Éternel pour le faire me comprendre parole. Parce que l'Éternel, c'est toujours. Et ça fait les disciples, ils disent pour qui ça ou toujours parler avec nous en parabole? Eh bien, Jésus dit, il te répond aux disciples,
c'est pas tout le monde. Sous qu'on a ou bien la science infuse ou qu'on a tout bagaille ou met au supérieur à monde, etc. Monter tête tout, eh bien, ou pas jamais comprendre parole moins. Ça et ça, Jésus te répond. C'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui gagne dans ça. Comment dans ça, il est? Dans ça, il est discernement. Donc, si vous n'avez pas de discernement, vous ne pouvez pas comprendre les choses spirituelles, hein, les connaissances spirituelles. Attention. Donc, c'est ça que fait. Moi-même, je ne peux pas dire qu'il ne faut pas son monde dans la Bible, ni je ne peux pas dire qu'il ne faut pas son monde. Ça n'existe pas, il n'y a pas de sens. Bon Dieu, bah, chaque monde une révélation par eux. OK? Bon, maintenant, la différence entre old et age, eh bien, la stylistique. J'aime ça dire, c'est la grammaire en gros, et la grammaire, c'est la sessique au détail. Grammaire là, c'est l'écrit. Elle dit, mais sessique dit, pas fait ça, fait ça. Ou bien, pas dit ça, dit ça. Et puis, grammaire même dit, mais pour qui raison? Tout simplement. Exemple. Quelle que soit la question que pose en anglais, ou pas, l'homme dit, c'est moi, ou pas, qu'elle dit, it's me. Ça n'existe pas. Et ça n'existe nulle part. Ça n'existe pas. Quelle que soit la question que pose, ou pas, qu'elle dit, it's me. Non. Exemple. Si m'la ma avec ingénieur Balbito et pour moun paraître là, il dit who's teacher Lesti? Si moun n'a pas ta compte qui est nous deux à qui teacher Lesti a, et puis là nek paraître là, il dit who's teacher Lesti? On bla paraître là, il dit who's teacher, who is teacher Lesti? Who's teacher Lesti? Et puis qu'on y a là, moi même m'a répondre, m'a dit moi, c'est moi. M'a dit I am. Moi il dit who's teacher Lesti? Il dit I am, parce que la question se pose avec le verbe être. Et s'il d'après il dit who's engineer Balbito? Mais quand il y a un ingénieur Balbito, il m'a répondu en anglais, il a dit I am, c'est moi. Ça seulement. Mais il m'a dit It's me. Quand il y a qui ça te dit? Il t'a dit It's I. S'il a dit c'est moi, il m'a dit It's me, il a dit It's I. OK? Who's engineer Balbito? It's I. Who's teacher Lacey? It's I, c'est moi. Mais pas It's me. Ou pas dit It's me. Grammaticalement, il n'y a pas du tout. OK, mais l'homme dit moi tout coup depuis cette question posée, c'est auxiliaire là ou bien verbe là avec sujet pour nos sujet, mais pas gain mi seulement, d'accord. N'a gain arrivé sur ça, ça son point grammatical. En aller. Kounya là, c'est pour me expliquer différence entre c'est qui grammaire, OK? Donc différence entre old et age. Ah, mais quand la question se pose avec old, on répond avec old. Quand la question se pose avec age, on répond avec age, ça c'est seulement oui. Maintenant, qu'il y a d'autres bagailles pour m'apprendre, nous. En français, l'homme dit l'âge, pour dire l'âge en français, on emploie le verbe avoir. L'âge se donne en français avec le verbe avoir. Mais en anglais, l'âge se donne avec le verbe être. OK? Maintenant, un exemple. En français, en anglais, alors. How old are you? En français, quel âge as-tu? Ou bien, si on vous voit la personne, quel âge avez-vous? How old are you? Eh bien, si mon l'a répondu là, un par exemple, son monde qui gagne 30 ans, l'a dit, I'm 30 years old. Ouais. How old are you? How old are you? I'm 30 years old. Maintenant, what age are you? What age are you? I'm 30 years old. Of age. Ouais. Donc pour old on dit I'm 30 years old. Pour age on dit I'm 30 years of age. Laissez age a gon préposition of. Ou du moins sur quand on dit I'm age 30. Ouais, ça plus simple toujours pour age. I'm age 30, ça seulement. Donc how old are you? On moun ki gen 20 ans. How old are you? I'm 20 years old. What age are you? I'm 20 years of age, ou bien I'm age 20. Ça, c'est là où on pose aux questions. Là où on pose aux questions, ou pas besoin d'utiliser, ou pas obligé d'utiliser le terme old ou bien age. Si on pas pose aux questions. Seulement, soit parler ou pas pose aux questions, ou pas dit, ou bien 20 ans, j'ai 20 ans d'âge, ou pas dit, I'm 20. Aussi simple que ça, très facile. OK? It's like taking candy from a baby. C'est comme de l'eau à boire. OK? I'm 20, fini. J'ai 30 ans. I'm 30. J'ai 39 ans. I'm 39. C'est le verbe être qu'on emploie en anglais, tout simplement. Donc, attention, leur pose aux questions avec old, ou répondre avec old, leur pose avec age, ou répondre avec age. Mais attention, ils ne répondent pas même gens. Là, c'est age et gon préposition la donne. OK?
I'm 20 years of age. Ou bien I'm age 20. Le soir, pas besoin préposition. Ok? Donc, malheureusement, c'est qu'on y a là, m'bral bay, m'boko di pour élément dans le téléphone. C'est qu'on y a là, m'bral bay. Et m'bral bo, maintenant, porte ouverte pour taper 34 99 70 70 ou bien 42 99 06 76. Ou taper numéro ça pour entrer en contact avec Teacher Lesi pour participer, pour faire pratique ou bien pour poser question. Si vous ne pouvez pas comprendre tout ça, je dis à l'heure, ou poser une question en anglais, il n'y a aucun problème. Ou pas parler anglais, il n'y a aucun problème. Vous ne parlez pas anglais, il n'y a aucun problème. On peut se parler en français. Maintenant, si vous ne parlez pas français, on peut se parler en créole. Ou pas qu'on parle anglais, n'a pas parlé français. Ou pas qu'on parle français, n'a pas parlé créole. Il n'y a aucun problème. Heureusement, Teacher Lesi, alors à Teacher Lesi English Time, on parle anglais, on parle français, on parle créole. Heureusement, bien heureusement, parce que nous connaissons majorité haïtienne parler créole, français, anglais. Ok? Donc, pour monde qui pas tellement pratiqué français et ou qu'a poser une question en créole, tout pas de problème à répondre. En anglais, tout pour pas dire pas encourager depuis en anglais ou poser une question à répondre en anglais et m'pas traduire pour. Hein, ça rend compte pile fois qu'on fait ça, même pas ta chose fait ça parce que faut m'encourager. 34 99 70 70 42 99 06 76 c'est numéro ça ou à composer pour entrer en contact avec Teach Olesti English Time. Soit regardez nous sur chaîne du Storm Telestorm et ça c'est pour ça que je Storm. Teacher Lesi English Time. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Would you please remind me of the password of the show? The password of the spoken reference on YouTube. The spoken English reference on YouTube. The spoken English reference on YouTube. Very good. And okay. Then, where are you calling from? Please. I'm calling from Kwade. Calling from? I'm calling from Kwade. Kwa? Kwade, please. Oh, I'm sorry. I didn't hear. Say it again. I'm calling from Kwade. Kwade, please. Kwade, please. Kwade, please. All right, Kwade Pwe. Good. So, are you calling for the first time? No. Not for the first time because you know the password. I'm just testing you. It's just a test, right? Because I would tell you if you said yes, I would tell you how come you know the password. Because I didn't say the password like a while ago when I started the show, right? So, okay, tell me now, why are you calling? Are you watching or listening to Teacher Lesi? I'm calling you to speak with you. Okay, are you watching the show or are you listening to the show? Yes, I'm watching the show. Okay, I'm watching the show. Now, tell me why you are calling up. I'm sorry? Tell me why you're calling me up. Why are you calling Teacher Lesi English Time? I'm calling to practice. Okay, calling. Okay, I'm calling to practice. I'm calling to practice. Okay, I'm calling to practice English. Just say I'm calling for practice. All right. So I'm calling for practice. Now, let me ask you a question. What's the difference between old and age? I'm sorry. What's the difference between old and age? In grammar. You don't know, I'm sorry. Il va connaître différence. La différence entre old et age. Dès pour elle pour pratique, m'a pose une question pour moi sous tes saisi bien ça me dit bien. Sous pas bien saisi, m'a pour expliquer encore. Teacher Lesi English Time. Good afternoon. Teacher Lesi English Time. Good afternoon. Hello, hello, hello. Ouais, ou pas attendre parce que volume radio bien télévision à trop fort. Et trop haut et chaque fois pas attendre bien. Faut tu baisser volume radio bien télévision. OK. Baisser radio bien télévision bien faut tu déplacer bon côté. Ma couche. Oh, sorry, désolé.
Le nous relé m'avanre le baisser volume radio à télévision et puis pas camper tout près le tout. Teacher les English time. Hello. Teacher les English time. Hello. I'm sorry. Appel la coupé, puis l'appel en même temps. OK. Donc oui, Teacher les English time, émission pour là, il y a quelqu'un d'autre qui appelle actuellement. Teacher les English time. Hello. Teacher les English time. Good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Are you calling for the first time? No, I'm always listening to the show. I always listen to the show. Okay, thank you. Okay, say it. No, just repeat it because, you know, that's my job here, right? It's to help you speak English. So now you just repeat it after me. Say it now. I don't want you to make the same mistake next time, right? In the future. Okay. Okay. Yeah, just say it. Say, I always... Are you calling for the first time? No, I'm not. No. No, I'm not. No, I'm not. I always... Uh-huh, listen. I'm always... No, I'm... I always... I always... Listen to the show. Listening to the show. No, not listening. Listen to the show. Listen to the show. I always listen to the show. I always listen to the show. Okay, very good. Now, tell me, where are you calling from? I'm calling from Akaye. Oh, you're calling from Akaye. My special regards to the people watching or listening in Akaye. Okay, congratulations. So, are you calling? Are you watching? Are you listening? I'm sorry. Are you listening to the show by yourself? No, I'm just listening to the show with my wife. Okay, I'm just listening to the show. I'm just listening to the show with my wife. To the show. Yeah, I'm just listening to the show with my wife. Okay. So my special hi to your wife. Okay. Okay. Does your wife speak English? No, she doesn't. No, she doesn't. All right. So why don't you teach your wife English? Why don't you? I'm sorry. Because it's your wife. Why don't you teach your wife English? I'm sorry. Teacher this English time émission pour là, nous gagne nouvelle et actuellement nous gagne nouvelle session en OEA samedi 2h midi 30 3h30 Teacher this English time. Hello. Teacher this English time. Yes. Calling for the first time? Yes. Oh, calling for the first time. Okay, turn down your receiver. Turn down your receiver, please. Okay. I don't hear you. Oh, don't you hear me? Turn down your receiver. Are you watching me or are you listening to me? I'm watching you. You're watching me. So please turn down your TV set. Turn it down. Turn it down. Reduce the volume. Yeah, I turned down it. All right. Okay, I turn it down. You say, I turn it down. Hello? Wait. Oh, so we just repeat it. I turn it down. I turn it down. No M. I turn it down. I turn it down. I turn it down. Good. That's why you're calling, man. You're calling for practice, right? What? That's a what's it, sorry. When you don't hear, you say sorry. You understand? Okay, when you don't hear, you say sorry. Don't say what. Say sorry. Hello. I don't hear you. You don't hear me. Okay, when you don't hear me, what's your name? Oh, my name is Bibin. So you hear me. Now, when you're talking to somebody and the person says something you don't hear or you don't catch, fine. You just say sorry, but don't say what. Okay? All right, so now, where are you calling from? I'm sorry. Désolé. OK, nous saluons tout le monde qui fait brancher. C'est Teacher Less English Time. Et puis le mot de passé, the spoken English reference on YouTube. Malheureusement, tout le monde a pris les baguettes pour m'expliquer rien. Teacher Less English Time, hello. Hello. Oh, hello. This is She's Voice, right? Hello. Yes, hello. How are you? Hi. Are you calling for the first time?
Yes, I'm calling for the first time. Oh, that's for the first time. Congratulations and welcome to Teach All This English Time. What did you say? Welcome to Teach All This English Time. Oh, thank you. Okay, now tell me, where are you calling from? I'm calling from Delmas 75. Again, I'm calling from? Delmas 75. Okay, Delmas. Okay. Yes, 75. Delmas 75. Yes. Delmas 75, say. Yes. Say it, say Delmas it. Delmas 75. No, not 70, 70, 70. That's the American accent. Okay. Delmas 75. Yeah, that's the American accent. Delmas 75. Thank you. All right, that's very good. So, are you watching me or are you listening to me? Oh, I'm watching you. You're watching me. That's very good. So, are you watching me with other people? Are there other people watching you? Watching me with you? Yes, with some neighbor. Oh, your neighbor? Yes. How many neighbors watching with you? Three neighbors. I'm sorry? Three neighbors. Oh, three neighbors. All right. That's very good. So my special guard, my special regards, my special hi, my special hello to your neighbors, right? Yes. So three neighbors plus you, which means four people are watching me, right? I repeated it again. So you are four in number watching me, right? You are four in number watching me. I don't hear you. You don't hear me well? No. Okay, you and your neighbors are four watching me, right? Yes. Okay, good. And now do you know the name of the show? No, I don't. Oh, this show is Teach Olesti English Time. Okay, that's Teach All This English Time, right? Yes. What's the name of the show? Teach All This English. Teach All This English Time. And the password is the spoken English reference on YouTube. What is it? What does? The password is the spoken English reference on YouTube. Okay. The spoken English reference on YouTube. Broken English. I'm sorry? Broken YouTube? The spoken English reference on YouTube. Broken English? The spoken. Okay, broken? No, spoken. Broken. Spoken. Spoken? Speak, spoke, spoken. Okay, spoken English. Yeah, the spoken English reference on YouTube. Okay, spoken English, I think, in YouTube. The spoken English reference. Reference. Reference? On YouTube. On YouTube. The spoken English reference on YouTube. Okay, spoken English. The spoken. The spoken English. Reference? On YouTube. On YouTube. The spoken English reference on YouTube. The spoken English reference on YouTube. Reference. 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 That's great. That's great. It's great. So you are a good student. Very good student. Congratulations. My compliments. Oh, thank you. You are a very good student. So, do you know the schedule of the show? Do you know the schedule, which means the hours? The time? Hello? 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 Oh, sorry. Désolé. Ok, c'est intéressant. Malheureusement, pas de guetama d'auditrice non. Mais c'est intéressant. Félicitations à toi. Puis Teach All This English Time, nous avons une nouvelle session en OEA sous table aiguisée en anglais. Et puis nous avons un appel très spécialement à tout ancien étudiant OEA. Tout ancien étudiant OEA, nous demandons de pour brancher, nous connaissons brancher l'émission, hein, quel que soit côté, nous demandons qu'on y a là son autre programme nous gagne, son autre bagaille. Donc nous demandons pour tourner pour update
niveau A, quel que soit ces étudiants OEA, nous mandons pour retourner pour une update niveau A. Et puis, on gagne normalement on très 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 spécial, quel que soit ces étudiants OEA. Tourner pour une update niveau A, ok? Bon, mettre du clair, on demi-boost, très spécialement sur tous les frais. Tourner pour une update niveau A parce que nous connaissons. Teach pas bay bouy vide, nous connaissons ça déjà depuis longtemps. Teach pas bay bouy vide, donc vini update niveau d'anglais. Ça veut dire son lot niveau, son lot OEA, j'ai encore dit son lot niveau. So it's quite different. It's a quite different level. So you have to come back and then you'll have a special full scholarship, right? Teacher is English time. Good afternoon. Whoa, fonti bese vode, bese. M'apri la moui. Ok, avant de les pas quitter volume. Hello. Hello. Yes, sir. Mm-hmm. Good afternoon. Good afternoon. Where are you calling from? I'm from Pétionville. I'm calling from Pétionville. Repeat. I'm calling from Pétionville. Very good. Are you calling for the first time? Yes, for the first time. Oh, yes, I'm calling for the first time. Very good. And then are you watching me or are you listening to me? I'm sorry. Désolé. Trop appel en même temps. Mes amis, gardons l'émission. Oui, nouvelle session, nous gagnons là. Nous gagnons nouvelle session actuellement. Nous bien dû cap samedi. Alors, samedi 26, je crois. Midi 30, 3h30. Nous avons mercredi matin, 9h midi également. Puis nous dit tout ancien étudiant au RIO qui branché, cap suivre, nous mettre retourner. Vin update niveau son lot bagay. Ok, nous connaissons teach, pas qu'on bay, boui vide. Ou mettre fake fin fon niveau là. Ou pas ta passe, ou pouvez faire niveau là. Ou pouvez pas même bagay. Parce que teach, pas bay, boui vide. Alright? So, teacher listening English time. Good afternoon. Hello. Okay. Hello. Oh, sorry. It's a meal that charge. Okay. For nous pouvoir avant nous relier pour nous car pas de problème pour appel là pas coupé parce que il y a tellement d'appels en même temps donc malheureusement bon il y a quelqu'un d'autre. Teacher listening English time. Hello. I'm sorry. Turn down. Are you watching or listening? I'm watching. You're watching. Okay. Please turn down your TV set. Turn down your TV set. All right? Okay. Turn it down. Turn it down. Okay. Or go away from it. All right? Do you hear me? Okay. Yes. Yes, I can hear you right now. All right. No problem. But just turn it down. Yeah. Okay. Okay. Okay, calling me. Are you calling the show for the first time? Yeah, it's my first time. Okay, I'm calling for the first time. It's my first time. All right. Yeah. That's good. So you don't even know the name of the show, right? You don't know the name of the show. This is Teach Holistic English Time. Yeah, Teach Holistic English Time. Yeah, and the password is the spoken English reference on YouTube. Spoken English reference on YouTube. Yeah, the spoken English reference on YouTube. Reference on YouTube. Yeah, the spoken English reference on YouTube. Yeah. Mm-hmm. A spoken English reference on YouTube. No, the spoken. The spoken. Yeah, the spoken English reference on YouTube. Reference on YouTube. YouTube. Yes, good. Okay. Yeah. Yes. So, are you watching me by yourself? Yeah. Yeah, with my family. Well, with your family. So, how many are you in number watching me? Two. My cousin. I'm sorry? My niece. Yeah. Oh, your cousin and your niece. Yeah, my cousin and my niece. When you say cousin, that's a boy or a girl? A boy. That's a boy. So you can say my he cousin. My he cousin. Okay, thank you. Yeah. For a man, you say he cousin. For a girl, you say she cousin.
Okay, thank you, sir. Yeah, thank you. No, that's my job. Don't thank me, man. It's my job, right? I know that. It's my job to share with you what you don't know yet in English. Yeah, thank you. And you are also very intelligent. Congratulations, man. Yeah, mate. Thank you. Yeah, so I take you to calling. So tell me what you're calling exactly. I'm calling from Bawipo. Yeah, you're calling from Bawipo. Very good. But why are you calling now? Tell me the reason why. What's the reason why? I'm calling just to give you a congratulation. I'm sorry, too? You make a good job. Okay, thank you for encouraging me. Thank you very much. I'll keep doing it, man. I appreciate it. Thank you. Yeah, thank you very much. You appreciate it. Yeah, thank you for appreciating the job I'm doing. And of course, I have to do it because I'm Haitian. Okay. I'm pure Haitian, right? Let me tell you something. Yeah. Please. Okay. When can I pass to Oya? You want to come to Oya? If you want to come to Oya, no problem. You can come this afternoon before 6 o'clock. Okay, can you give me the address? The address, it's very easy. The address is number 6 Avenue Martin Luther King, Delma 28B. Delma at a few steps from the viaduct of the airport intersection, almost across from the Digicel branch. Okay. That's very easy. You understand? It's like you pretend going to Nazon, right? Okay. Okay, let me pass to my cousin. Okay, no problem. Yeah, hello. Hello, sir. Hello, my he cousin. How are you doing? I'm doing good. God and bad too. Okay. I'm pretty good through God. So you're watching me for the first time, right? Yeah, the first time. I got several times calling you on the show. So I'm so happy to follow me. So watching the show right now. Okay. So all the pressure for me. The first time the church working my blog. Okay. Okay, that's good. What about the niece? What's the niece? Does the niece speak English? I'm sorry, darling. She doesn't speak English. She doesn't speak English. All right, I understand. French and Creole. Okay, no problem. She speaks French and Creole, right? Yeah, that's right. Okay, pretty good. So, do you know the name of the show? Holy English Academy. No, that's not the Holy English Academy. Is Teach English Time. Yeah, Teach This English Time. And do you know the password? Spoken English. The spoken English reference on YouTube, because if you don't have it, in case the person doesn't have enough time to watch the show right now on the radio or on the TV, the person may watch the show on YouTube at night or in the evening. You understand? After work or after university or after school. You understand? Understand? Okay, so do a lot of things. So that's a pressure for me the first time I got watching the TV. Okay, so good. Okay, that's good. A lot of things. All right, I thank you too, and then congratulations, right? Okay, teacher, big respect for you. I'm sorry. Big respect for you. I'm sorry. Big respect for you. Okay. Okay, thank you. And thank you for calling. Thank you for watching. Thank you for tuning in. Keep watching Teacher List English Time. And I'm going to tell you the address in French, right? Okay, sir. Thank you. Okay, pretty good. Keep calling. Thank you for calling. Bye-bye. So catch you next Thursday. À jeudi prochain, je vous lance. Donc, that was the very last person at the show. C'était la toute dernière personne à l'émission. Maintenant, l'adresse, Zami qui fait demander ma adresse. Malheureusement, je ne peux pas prendre encore. Zami qui fait demander ma adresse, c'est numéro 6 Avenue Martin Luther King. Vous souhaitez un café pour faire un coup pour la maison. Et puis, tout près, via Duc là, autant de l'air, vous pouvez aller sous main droite, vous pouvez aller, les tout de blanc. L'écrit OEA, Holistic English Academy. Elle est très populaire. N'importe où, on demande de côté Teach Holistic English Time. Il y a de côté OEA, l'école d'anglais, il y a de côté facilement. Okay? So, nous avons une nouvelle session. J'en ai dit à mercredi à 9h midi. Nous avons samedi midi 30,
3h30 qui a commencé samedi demain et mercredi l'autre mercredi elle a commencé mercredi 9h pour midi. OK, donc nous gain également en niveau 2 pour monde qui besoin niveau 2 yo pour monde qui gont ti ba déjà parler déjà. Donc nous gain niveau nous gon niveau 2 pour commencer en février là, premier samedi mois de février date pendant tête malheureusement premier samedi mois de février nous gon niveau 2. Donc au cas venir inscrire pour niveau 2 à sous et pile blanc moi qu'après les moun là yo nous pas gain problème nous ka venir inscrire dans niveau 2 et c'est chaque samedi 4h pour 7h lui-même. N'a commencé premier samedi qu'a venir dans mois de février, pas samedi demain non. Samedi demain c'est examen m'bra ba niveau 1 et puis yo pral normalement m'connais déjà réussi et puis qu'on y a là yo pral faire niveau 2. Y a composé samedi demain yo pral faire niveau 2. Donc souvle ou gen droit bon m'ba quoi non m'ba quoi même d'après le souvle ka vin assister examen souvle mais li pas bon on vini entendre plutôt l'autre samedi premier samedi mois février. Et niveau 2 a démarré, donc vous mettez pas s'inscrire depuis qu'on y a soulevé pendant ma page dans micro là. Sous qu'a gagné l'heure avant 6h mettez aller inscrit pour niveau 2. Donc pour niveau 2 à lui-même ou a bon spécial demi bourse pour niveau 2. Donc là venir ou a bon spécial demi bourse sur tous les frais même sur les frais d'inscription. Seul ou a fait ça dans pays là qui bail demi bourse sur frais d'inscription. OK? Donc niveau 2 l'autre samedi 4h 7h chaque samedi 4h 7h puis chaque vendredi ou venir 4h pour 6h en pratique ou bien 9h et 10h pour midi dans matin. D'accord? Ça fait 5h de temps par semaine. Goodbye. Thank you for watching Teacherless English Time and catch you next Thursday. God bless you.